Bienvenue dans Galar, afin de réaliser la suite du scénario principal, qui est donc là de récupérer le troisième badge. Après avoir obtenu le deuxième badge à Skyford, nous nous sommes dirigés à l'est afin de passer par les mines est de Galar et nous rendre à l'arène numéro 3. Nous voici donc dans les mines est de Galar, où il faudra évidemment ne pas hésiter à combattre les Pokémon qui sont aux alentours et de battre tous les dresseurs afin de continuer à faire évoluer en niveau nos Pokémon. Et très vite, nous rencontrons Trevis qui nous confronte en duel. Une fois battu, on sera donc libre de visiter les alentours de la grotte, combattre les Pokémon, ramasser les divers objets qui sont sur la route et de vaincre les dresseurs qui sont également sur la route. Juste après avoir battu Jimmy l'ouvrier, vous trouverez 3 sombres balls qui sont efficaces de nuit ou dans les endroits sombres tels que les grottes. Vous voyez les petites sortes de Pokéballs qu'il y a par terre, en réalité ce ne sont pas des Pokéballs mais des Pokémon qui se sont cachés. Après avoir battu Beverly l'ouvrière, vous trouverez la Pokéball Acrogriffe. Et de suite après, vous tomberez sur 2 personnes de la Team Yell. Et Nabil vous y rejoindra pour faire un combat en duo. Après avoir battu la Team Yell en descendant tout en bas jusqu'au lac et en allant à gauche en évitant les Pokémon, vous trouverez ici un sac de sable doux. Et en allant à droite, après avoir battu ce dresseur, vous trouverez la CT49 Tourbissable. Un peu plus loin, on croise Kabu qui est en plein fight contre les personnages de la team Yell qu'on vient d'affronter. Kabu qui est le champion de l'arène de Motorbike, donc du badge 3, de l'arène 3. Et donc après une brève conversation, il nous invite à le rejoindre à Motorbike après passer une nuit à l'hôtel. Ici vous trouverez un morceau d'étoile. À la sortie de la mine, Nabil vous explique ce que c'est le Poké Service et vous invite à le rejoindre à l'hôtel à Motorbike. Et si on ne fait pas attention, juste derrière ce panneau, nous loupons ce petit objet qui est une pièce rune qui est important pour farmer l'argent avec Miaouss à la fin du jeu. Ici, vous trouverez des PP+. Au milieu de cette zone d'herbe à la sortie de la mine, vous trouverez également 3 Super Balls. Arrivé sur le pont, vous trouverez juste là une plume métal. Ici, une plume sprint. Et ici, une jolie plume. Mais également une plume santé. Arrivé donc à Motorbike, rendez-vous à l'hôtel. Et là, vous tomberez directement sur Rosemary, qui nous lance un combat. Après avoir donc battu Rosemary, vous passez une nuit à l'hôtel. Et le lendemain matin, vous la retrouvez dans le hall d'entrée. Celle-ci vous donnera la carte de ligue de Kabu, mais également des anti-brûles. Après ceci, nous nous rendons donc à l'arène de Motorbike. Devant nous rencontrons Nabil, qui nous dit donc qu'il a lui-même récupéré le badge feu. Et donc je ferai entièrement l'arène de Motorbike dans la prochaine. Je vais vous regarder quand même. Dans la prochaine vidéo. Donc pour voir la suite, abonnez-vous.